Eh bien bonjour, aujourd'hui on va parler de la famille royale, on va parler du petit-fils de la reine d'Angleterre, Peter Philippe. On va parler en fait de la fin de mariage, la fin de son mariage avec la Canadienne Autumn Kelly. On sait très bien que le couple s'est séparé il y a de cela quelques mois, je crois que c'était en février dernier que j'avais annoncé la nouvelle dans une vidéo, et ils se séparaient après 12 ans de mariage, 12 longues années. Ça a surpris tout le monde parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ce couple si parfait, d'ailleurs on le disait dans la presse, on s'attendait pas à ce qu'ils se séparent. Ils étaient parfaits sur tous les plans. Il n'y avait pas de rumeurs sur eux, sur des tensions dans le couple. Pourtant, on sait très bien que les journalistes et les tabloïds sont avides de ce genre de cancan. Ils avaient annoncé leur séparation. Et c'était un moment de tristesse pour la reine, mais aussi pour la princesse Anne, qui adore cette petite fille, qui aime Autumn Kelly. La preuve est qu'elle vit sur le domaine de la princesse Anne, c'est-à-dire qu'elle a un cottage dessus. Et c'est là qu'elle vivra, on nous dit, avec ses deux filles. Donc elle ne rentrera pas au Canada, comme il avait été dit dans plusieurs articles à l'époque. Elle restera sur le domaine de la princesse Anne avec ses enfants pour qu'ils puissent être proches de leurs parents. En même temps, c'est une façon de s'assurer qu'elle ne manque de rien, qu'elle n'ait pas à aller vendre ses histoires au tabloïd. Elle travaille comme businesswoman. Elle a une entreprise dans l'événementiel. Donc, il y a eu des photos qui ont filtré sur sa vie après sa séparation avec son mari. Elle était très sexy, une femme célibataire qui veut refaire sa vie. Lui-même aussi, il a refait sa vie. D'ailleurs, dernièrement, il y a un ou deux mois, il a été pris en flagrant délit de non-respect des règles, des restrictions dues à la pandémie. Il s'est déplacé dans une autre région de l'Angleterre pour rencontrer une amie. D'après lui, d'après certains, c'est sa nouvelle compagne. Et en fait, chacun des deux a refait sa vie. Donc, il n'y a pas de biggie, comme on dit, il n'y a pas de problème. Ils ont refait leur vie, ils ont passé à autre chose. Ce qui est intéressant sur eux, ils ne sont pas regardés ou alors analysés ou alors traités de la même façon qu'on traite le prince Harry et Meghan. Si ça avait été Meghan et Harry, je vous assure que les titres auraient été autrement. Alors, couple, sur ceci, on a un petit encart avec une petite mention de leur séparation et finalement de leur divorce qui vient d'être finalisé. En fait, j'ai oublié de dire ça dès le début, hein. Le divorce qui vient d'être finalisé. Après 12 ans de mariage, ils se séparent. Ils ont deux filles qui s'appellent Ayla de 7 ans et Savannah de 9 ans. Comme on dit, elles resteront en Angleterre et n'iront pas au Canada. La vie de cette Autumn Kelly est dorénavant en Angleterre. C'est une décision qu'elle a prise en accord avec la partie concernée, c'est-à-dire sa belle-famille. Voilà, c'est pour vous dire ça. C'est dommage, c'est triste, mais c'est la vie. Les choses changent. Ce ne sera pas le premier divorce dans la famille royale parce que la plupart des membres de la famille royale sont divorcés ou remariés. Je parle par exemple du prince Charles qui a divorcé d'Anna pour épouser Camilla, la princesse Anne qui a épousé son amant parce que oui, elle trompait son mari qui lui aussi le lui rendait bien. Donc voilà. Donc c'est beaucoup de divorcés. Camilla Parker Bowles divorcée. Qui d'autres? Il y a beaucoup, beaucoup de divorcés dans la famille royale, donc ça ne va pas faire soulever un sourcil. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.